Cette pandémie due au Covid-19 qui atteint notre pays est un événement inédit. Elle occupe à juste titre tous les esprits dans les familles et crée une sorte d'amnésie qui ne doit pas faire oublier les grands événements antérieurs, dont les deux guerres mondiales. Il faut donc se souvenir que combattre pour la liberté, la paix et la solidarité entre les peuples, c'est un devoir permanent. Ces principes fondamentaux ont été acquis par le sacrifice de plusieurs dizaines de millions de morts, dont la mémoire doit être honorée par toutes les générations. Soulignons enfin que les anciens combattants de Chaponneau font tout ce qu'ils peuvent pour inculquer aux jeunes écoliers chaponnois le devoir de mémoire. Chères Chaponnoises, chers Chaponnois, il y a 75 ans, le 8 mai 1945, sonnait l'heure de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Des millions de soldats avaient pris part à une guerre de presque 6 ans pour préserver l'indépendance de notre pays et ses valeurs de liberté, égalité et fraternité. Grâce à l'engagement de ces combattants, militaires et civils, la paix était retrouvée en Europe et notre pays conservait sa souveraineté dans un continent qui n'allait que se renforcer au fil des années. 75 ans plus tard, ce 8 mai 2020, c'est confiné depuis nos domiciles que nous célébrons cet anniversaire. C'est une nouvelle guerre que nous menons, contre un ennemi sans visage et sans armes physiques, mais contre un virus meurtrier qui a déjà fait des ravages. En ce jour de commémoration de nos combattants de la Seconde Guerre mondiale, c'est à travers les associations des anciens combattants de Chaponneau et son président, Michel Crochemort, que j'adresse toute ma reconnaissance et ma gratitude. Mais c'est également à nos combattants des temps actuels que je veux adresser un message de soutien très fort. À tous ceux qui, au quotidien, se battent contre les dégâts de ce virus meurtrier. Les personnels soignants en première ligne, qui tous les jours endossent leur rôle de guerriers de la santé. Un grand merci à eux tous. Mais également des pensées à tous ceux qui permettent à notre pays de rester debout. Tous les travailleurs du quotidien, qui, depuis le début de cette crise, ont pris part au combat en permettant aux Français de continuer à vivre et à se nourrir malgré un contexte inédit. La France peut être fière de vous. Prenez soin de vous et poursuivons notre combat contre ce fléau. Vive Chaponneau, vive la France, vive la République. Pour ces commémorations qui se passent loin du monument aux morts, le Conseil municipal des jeunes va présenter aux Chaponnois le poème intitulé « Demain », écrit en 1942 par le poète et résistant Robert Desnos. Demain, âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir, le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille, nous veillons. Nous gardons la lumière et le feu, nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille, à maintes bruits, vite éteints et perdus comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent. Vive la République, vive la France. Allez, enfants de la patrie, le jour de gloire.